Bonjour, monsieur Colin. Repas de ce midi. Qu'est-ce qu'il a fait, Marseille, Paris? Paris a gagné 4-0. On parle de foot. Michel livre tous les jours des plateaux repas aux Sévriens de plus de 60 ans qui en ont fait la demande. Comme d'autres professionnels et bénévoles, ils permettent à des dizaines de seniors de conserver une relative autonomie en continuant à vivre chez eux. C'est l'ensemble des services de la Direction de la Cohésion Sociale et plus particulièrement l'Espace Senior créé en 2015 qui prend en charge l'ensemble de ces actions menées par la ville auprès de nos aînés. C'est quoi le problème ? Au sein de l'Espace Senior, on décline tout un panel de services pour permettre un maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles, bien évidemment, dans la mesure où c'est le choix des personnes et le plus longtemps possible. Et qu'est-ce qu'on a ? Là, c'est le menu. C'est à l'intérieur, je vous le mets au frigo. Du pâté en croûte, une banquette de veau et du riz. Ouh, ça j'adore. Tout comme les repas, un service bien utile, la téléalarme. En cas de chute ou de malaise, un simple appui sur un médaillon suffit pour déclencher une alerte 24 heures sur 24. Vous le prenez souvent, le petit bus ? Oui. Oui. Et puis comme moi, je vais régulièrement faire de la kiné, chaque fois il m'emmène, il me ramène. Le petit bus est très apprécié par les Sévriens de plus de 60 ans. C'est un véhicule aménagé qui permet de se déplacer à la demande dans Sèvres et les communes avoisinantes. Toutes ces personnes âgées en dépendance sont régulièrement suivies. Et il n'est pas rare qu'à leur propre demande, de celle d'un proche ou encore du personnel médical qui les suit, que l'Espace Senior réalise, si la situation l'impose, un diagnostic gérontologique. Suite au vol de mon sac à main, je suis allée au commissariat de Sèvres et le commissariat m'a conseillé d'aller à la mairie. Parce que la personne en fait arrive avec un certain nombre de problèmes, une demande, et on va évaluer quelle est la nature de ce besoin et quel plan d'aide on peut mettre en face. On va faire une coordination avec les différents partenaires qui pourront intervenir sur cette situation. La première étape d'abord, c'est de faire des courriers auprès des administrations. Vous faites ça depuis combien de temps ? L'Observation de Paul en fait a été créée en 1833 et nous sommes présents à Sèvres depuis une cinquantaine d'années. L'activité principale, c'est effectivement essayer de détecter les personnes qui sont en situation de solitude. Yvette peut à nouveau échanger sur ses qualités d'artiste en évoquant ses statuettes ou ses tableaux peints au fil des ans. À Sèvres, le maintien à domicile des personnes âgées nous concerne tous. À nous de savoir être à leur écoute pour qu'elles puissent, elles aussi, profiter de la vie.